You look lonely. I can fix that. Alors là, je sais pas si ça va vous évoquer des souvenirs sur ma chaîne YouTube si vous voyez Forest Dome juste devant vous. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur Planet Coaster pour une nouvelle vidéo découverte d'un parc d'attractions créé par un abonné. Ça fait plaisir de refaire un petit peu ce genre de vidéo. Alors attention, vous attendez pas à ce que ce soit très régulier, bien au contraire, c'est exceptionnel. Ce parc a été créé par Idrissa, merci à toi de me l'avoir envoyé. Forest Dome, ça vous rappelle peut-être quelque chose, puisque j'avais déjà effectué une vidéo sur ce parc il y a maintenant un an, si je ne dis pas de bêtises. Forest Dome, c'était la vidéo, je la mettrai en description si ça vous intéresse, pour faire le comparatif avant après. C'était une vidéo où il y avait des coasters qui allaient à l'envers parce qu'il y avait des bugs. Le parc était vraiment pas parfait, pour être très honnête, et voilà. Et du coup, il s'est dit qu'il allait tout refaire, recommencer à zéro. Et donc voilà, nous sommes sur Forest Dome Revenge, comme il le met en titre de parc. Donc c'est vraiment une version 2.0, une refonte totale de son parc d'attractions. Donc c'est super sympa. On peut déjà constater le parking. Alors je me souviens plus exactement ce qu'il y avait avant, donc ça va être compliqué de comparer. Donc moi, ça, je vais voir ça vraiment sous un œil nouveau. Mais si jamais vous voulez revoir la vidéo d'abord du premier parc, n'hésitez pas à le faire. Et comme ça, ça nous permettra de comparer. Le seul truc dont je me souviens, c'était au niveau de l'entrée, que c'était pas comme ça. Voilà, je me souviens qu'il y avait un circuit un peu compliqué à l'entrée. Enfin, pas compliqué, mais voilà. Là, c'est une place principale, c'est clair et net. Tu arrives, tu rentres au niveau des portiques, et puis c'est tout. Et c'est très bien, et c'est magnifique. Alors, on va commencer évidemment par ici, avec le parking, et puis l'annonce, bien sûr, de Planet Coaster 2. Est-ce que vous êtes hypés, les gars? Planet Coaster 2, mais c'est une dinguerie. Ça sort de nulle part, cette annonce. Il y avait des bruits de couloir, mais quand même, ça fait extrêmement plaisir. Alors j'espère que dans ce parc, il n'y a pas trop de préfab et que vraiment tout a été fait un maximum à la main par Idrissa. Ce serait vraiment chouette. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Donc on a une route sur le côté avec un petit panneau ici. Forest Dome, comment ça si tu vas là? Ah, pour faire demi-tour justement, pour pouvoir rentrer eh bien, dans le parc. Voilà, l'entrée se fait ici. Limité à 30 km/h. Welcome to Forest Dome. C'est ouvert de 10h. À minuit, voilà, très très bien. On peut également mettre la nuit, je vois qu'il y a des petites lumières. On fera de toute façon un tour de nuit tout à l'heure, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bienvenue. Alors il y a des petits chemins là à droite, ça va où ici là, le petit chemin là? Oh, ça sent les backstage, non? En vrai, non, ça sent les accès pour les bus. Oh non, bien sûr, oh là, les backstage pour les mises à quai poids lourds. Alors, comme je suis dans le monde du transport et que je conduis typiquement ça, clairement. Alors ça, c'est un Volvo, magnifique Volvo d'ailleurs. Super bien fait. Bon, j'imagine que ça a été chopé sur le workshop. Mais magnifique, magnifique le Volvo. Mais voilà, comme ça, au moins, je peux voir. Et alors là, c'est même pas des mises à quai ici, c'est royal. Hein. C'est juste royal, c'est gigantesque. Là, ils se mettent vraiment bien les camions. Très très bien, très stylé. Voilà pour les backstage. Franchement, je valide à 100%. Alors, pas évident. Pas évident parce que les poids lourds. Alors lui, il arrive du côté gauche, lui, visiblement. Il arrive en sens inverse. Ah, il roule à gauche. Il roule à gauche ici. C'est original. Attendez, comment ça se fait? Il roule à gauche. Bon, on va pas chercher à comprendre. Excusez-moi, je vais passer beaucoup de temps dans les backstage parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, si tu viens de là pour faire demi-tour, bah déjà là t'es un peu, c'est un peu chiant. Là pour faire, avec ce poids lourd ici, pour faire son petit demi-tour, ça va être un petit peu chiant. Bon, s'il est pas là, c'est faisable sans aucun problème évidemment. Mais par contre, si tu veux te mettre à quai, si tu veux te mettre à quai ici, tu dois venir là, faire demi-tour là et revenir là. C'est un peu chiant, mais en vrai c'est largement faisable évidemment. Mais bon, un vrai backstage, je pense que ça c'est en trop. Franchement, c'est en trop. Mais je crois savoir pourquoi t'as fait ça. Parce que j'ai des souvenirs, quand je faisais mes parcs, que quand tu faisais tes allées, des fois, c'était une galère et c'était têtu. Voilà, les allées voulaient pas se mettre comme tu voulais et du coup, ça faisait des petits trous comme ça. Et du coup, tu les comblais en mettant des arbres et des fleurs. Est-ce que je me trompe? Je suis sûr que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super chouette et bien pensé d'avoir fait ça. Avec ici une vue sur un coaster. Ok, donc on n'a rien à faire là, évidemment, c'était juste pour survoler par là. Également là, on a le staff only, donc petit accès pour le parking des employés, visiblement. Security, très bien, voilà, donc on a le grand parking des employés et un accès ici à l'arrière du parc, très bien, enfin même pas à l'arrière du parc, c'est en fait à l'arrivée du parking public, hein, tout simplement, très bien, ok. On va justement y venir à ce fameux parking public, bienvenue, welcome, c'est par ici bien sûr, welcome to Forest Dome,
On rentre et c'est parfait. Alors, il n'y a pas d'accès pour les bus. Il n'y a pas d'accès pour les bus, visiblement, j'ai l'impression. Je cherche la petite bête parce que, voilà, ça fait longtemps, c'est le plaisir. Voilà, j'ai envie de chercher un petit peu. On est là pour ça. Ça fait longtemps, c'est pour un petit peu immortaliser le moment de refaire des vidéos... des vidéos découvertes de parc. Là, il y a une bus stop, en fait. Mais alors, comment il fait pour passer le bus, là? Parce que là, le bus ne peut pas passer là. Hein. Je préfère vous le dire. Alors, il peut venir en sens inverse. Il peut venir en sens inverse, mais là, il peut pas passer. Hein. Bon, il peut pas passer à gauche. Et là, c'est très très chaud, là. Avec le toit plat, ici, là, c'est très très chaud pour le bus de passer. Hein. C'est un peu... T'as envie de foutre dans la galère les conducteurs, j'ai compris. L'entrée officielle, voilà, ça se passe ici, messieurs, dames, bien sûr. Des parkings PMR, très très bien, merci à toi. Et les blocs de béton ici pour éviter que les véhicules viennent. Et sur le parking, une vue, bien sûr, sur un coaster, le Pearl. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top d'avoir une vue sur un coaster à l'entrée du parc. Même deux, on a ici... Ah non, c'est le même. C'est le Pearl, en fait, tout ça. Ok. C'est magnifique. Bah, j'ai hâte de voir ça. Alors évidemment, ça rame un petit peu. Donc je mets le jeu un peu en pause de temps en temps. On a une très jolie fontaine. Très très bien faite. J'espère vraiment que c'est toi qui as tout fait à la main, ce genre de détails. Ça peut être vraiment cool. On a le carousel, le Seven et le Ferry Farm qui sont fermés. Messieurs, bonjour. Les agents de la sécurité. On a ici pour acheter les tickets. Et l'entrée impeccable. Ah non, c'est la sortie là. Ah oui, là c'est la sortie. Fallait le savoir, l'entrée c'est ici. Ok. Oh. Alors, nous avons donc l'allée principale avec différentes choses. L'hôtel. L'hôtel à gauche. Les toilettes ici. Nous avons des petits stands. C'est parfait. Et alors, je me souviens d'un truc. Ouais, ça n'a plus rien à voir avec le premier parc. Hein. C'est un nouveau parc en fait, hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. Y a rien à comparer, donc c'est magnifique parce que je me souviens... Oh, c'est sympa. Il y a une belle évolution parce que je me souviens d'un truc que j'avais reproché à l'époque. C'était que les allées étaient gigantesques, vides, inutiles. C'est-à-dire que tu avais des grandes allées qui menaient à nulle part. C'était gigantesque pour rien en fait. Et là, voilà, on sent déjà qu'il y a une belle structure. Tu vois, il y a une structure. Une même très belle structure, mais non, ça va vraiment rien avoir. En fait, ça sert à rien de comparer à ma première vidéo sur Forest Dome. Ce n'est pas le même parc et c'est très très bien, impeccable. Donc voilà, la grande allée avec ici des petits parasols pour pouvoir s'abriter du soleil. Ça va être très important ça sur Planet Coaster 2, puisqu'on aura la météo qui va s'ajouter, donc les intempéries, les coups de soleil, la chaleur, etc. Donc là, on peut s'acheter à boire. Voilà, on a des distributeurs de billets, on a. Passe prioritaire ici qu'on peut acheter. Ok, pourquoi pas. Nous avons un accès backstage ici. Donc si on passe par là, l'accès backstage a été fait. A été fait. Magnifique, on a vraiment une grande salle ici. Alors c'est une cuisine. Un début de cuisine. Certainement pas terminé. On peut accéder donc à différentes zones en passant par les backstage, ça c'est juste impeccable. Puis même les backstage sont thématisés. Alors ça c'est excellent. Ah, c'est leur cuisine pour tout en fait. Bon alors, il a pas fait tout l'intérieur, du coup il n'y a pas besoin. Pourquoi se faire chier à ajouter des éléments? Il a déjà fait la terrasse pour les employés et éventuellement pour les chauffeurs poids lourds qui viendront faire une pause éventuellement. Ça peut être toujours sympa. Hein. On peut même regarder ici, voilà. Ils peuvent passer par là. Oh, ça c'est bien pensé ça. Les équipements de protection bien sûr. Les EPI. Les EPI. Très bien. Et on a des portiques ici. Ah ouais, c'est vraiment l'accès l'accès pour le staff quoi. Ouais, c'est ça tout à fait. Allez, je re-rentre de nouveau dans le parc. Donc nous en étions là avec également un hôtel à droite, un restaurant à gauche peut-être. C'est ça, un restaurant tout à fait. Très bien, voilà des petites constructions dans l'allée, également le bâtiment des employés. On a quoi ici? Bâtiment des employés également et puis là une petite horlogerie. Très stylé ça, hein, très stylé. Comme ça tu peux manger tranquillement, te poser là, pique-niquer. Voilà, c'est cool. Très sympa. Et on a une structure, voilà, la structure Dome. Forest Dome. Voilà, waiting time. Waiting time, c'est les points d'information pour savoir combien de temps durent les temps d'attente de différents coasters. Donc, qui n'a pas été. Alors, je me demande s'il fallait pas télécharger des fichiers. Mais bon, dans tous les cas, il y a une palissade en bois devant.
Donc c'est que officiellement c'est pas fini et c'est très bien fait. Oh les jolis panneaux, Montu Osiris, Cheta Talokan, Pearl Saven. Ok. Donc on a une zone ici. Une zone un peu désert, un peu égyptien, voilà j'ai envie de dire. Là-bas c'est plutôt une zone médiévale on dirait, enfin en tout cas château. Et puis sur le côté gauche on a une zone aquatique, oh là là une très grande. Alors attendez, on va aller donc tout droit là, écoutez on va aller tout droit ici. Et on a, voilà, là c'est un vrai parc hein. Là c'est un vrai parc, c'est magnifique. Mais tu sais que ça là, t'es en train de nous préparer le Planet Coaster 2 en réalité hein. Parce que là tu vas nous rajouter des toboggans aquatiques mon gars, magnifique. Alors on a des palissades tout autour. C'est la forêt, voilà, c'est la forêt derrière, c'est superbe, super bien aménagé. Alors, ça manque ici de poubelles, de bancs et de... En fait, il n'y a aucun intérêt de tourner autour à part s'épuiser. Franchement, il pourrait rajouter des petits points d'intérêt ici. Mais dans l'idée, c'est très agréable, ça fait vraiment petit parc pour digérer. Mais, voilà, peu d'intérêt pour un parc d'attractions ici même. Si ça mène à, à un coaster, oui, et c'est pas impossible qu'ici, voilà, qu'on détruise la forêt... Et qu'on rajoute des coasters, ça peut être une très très bonne chose. Et vraiment, on a de l'eau partout. Là, ça fait un peu écluse. Ouais, c'est ça, ça fait, ouais, ça fait le petit pont. Voilà. On a un grand coaster également qui nous attend là. Join Us. Comment ça, Join Us? C'est le nom du coaster, c'est ça? Pas du tout. The Smiler. Ok. Un beau petit coaster ici également. On a des zones de protection bien sûr puisqu'on a le layout qui passe juste au-dessus des visiteurs. Donc voilà on a la grille de protection au-dessus hein, si un téléphone tombe. Évitez de se le prendre dans la tête et mourir hein, tout bêtement. Bon j'extrapole un petit peu mais très très bien d'avoir justement ces barricades. Et les bancs publics en métal comme ça, on est vraiment dans une thématisation. Donc là très métallique, très futuriste. J'aime beaucoup. C'est vraiment chouette et d'avoir pensé à mettre des protections de partout. Non vraiment là ça n'a plus rien à voir. Là on est vraiment dans un aspect très psychotronique. Comment dire je ne sais pas mais c'est très sympa. Il est grand. Ah c'est pas le même ça. Ça c'est Oblivion et ça c'est The Smiler. On va les faire les coasters, vous inquiétez pas on est là pour ça. Mais voilà on fait un petit tour d'abord de repérage, de thématisation, de tout ça. Oblivion, il est fermé? Comment ça il est fermé le coaster? Ah oui il est pas du tout, il est pas fini, la station n'est pas finie, ni rien, je m'en fous. Je m'en fous. On l'essaiera peut-être pas parce que c'est vrai que là il est assez... Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Oh boutique, ça va être boutique souvenir ici, magasin avec les établis, voilà, les différentes caisses. Et voilà, donc dans la thématisation futuriste et c'est la sortie d'ailleurs, c'est la sortie du... De ce fameux coaster, voilà, de Smiler, j'ai hâte. Eh bien, je me demande si on va pas commencer par ce coaster en réalité. Parce qu'il me fait de l'œil, là, depuis tout à l'heure. C'est vraiment toute une zone, vous voyez. Donc l'entrée est là. Hein. Oh, très très bien, ça, avec le temps d'attente. L'entrée principale et la fast track. Donc avec l'accès VIP, l'accès rapide. Ok. Ah oui, mais alors attendez, parce que ça, c'est un petit peu bête. Si je puis me permettre... Non, ça, c'est un petit peu bête. Ah non, oui, non, ça c'est un petit peu bête bon, pour donner mon avis subjectif. Parce que là, on va sous-entendre. Alors, dans le cas où il y a une queue qui commence déjà là, si on part du principe que le début de la file d'attente est là, d'accord, je comprends. Mais bon, quand même, on a une énorme file d'attente là. Hein. Donc, si là ça coince, si là ça coince là et qu'il y a toute une attente, franchement, le fast track ici ne sert à rien. Parce que tu vas passer devant tous les gens qui sont là, d'accord. Mais tu vas attendre derrière tout ça là. Hein. C'est gigantesque. Non franchement, là la fast track ça aurait dû être, voilà, tac, bam, et un chemin qui aille là, tout droit. Bon là du coup avec le coaster ça tombe un peu mal. Bam, et t'arrives, voilà, en VIP, en premier, devant ici. Mais sinon vraiment super sympa, pas le droit de manger, pas le droit de boire. Les panneaux sont super cool, je sais pas où tu les as chopés, si c'est toi qui les as fait ou si tu les as chopés sur le workshop. Mais vraiment super bien fait. Et messieurs, dames, on va rentrer donc dans la file d'attente. On a les casiers, impeccable les casiers. Alors est-ce qu'on pourra les récupérer à la sortie? C'est une vraie question, parce que là c'est bien beau de mettre nos affaires personnelles là-dedans. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir juste après. Peut-être si on mettait l'éclairage de nuit, est-ce qu'il y a peut-être un peu d'éclairage? Oui, on est vraiment dans une ambiance. Voilà, vous l'aurez compris, c'est très psychodélique. Donc je ne sais pas quel est le mot que je cherche. C'est un peu trans, voilà. T'as compris? La drogue c'est mal, bien évidemment. Voilà. Bon, il y a des écrans, à mon avis, des images qui sont affichées, mais c'est pas grave, c'est des petits détails que je n'ai pas. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas...
c'est pas le plus important. On peut déjà voir la thématisation qui est vraiment quali. Voilà. Et on arrive ici à la, au niveau de la station. Donc quand on sortira là, on a ici... Oh, super bien ça, super bien. Il lui manque juste peut-être une chaise, cette pauvre madame. Je pense qu'ici, il y a une porte. Ah bien, ça, l'arrêt d'urgence, etc. Là, il y a une porte. Et je pense que ça va être pour récupérer les affaires, tout simplement. Ok, les amis, on va pouvoir faire notre premier on-ride. On va directement tester l'attraction, se placer à l'intérieur... Eh bien, du train numéro 1, on va mettre les résultats des tests, on va accélérer le mouvement. Procédure complète. Ah, c'est excellent ça, procédure complète. Voilà, on est sur un thème très poussé visiblement, très complet. Voilà, on va juste attendre que le deuxième wagon devant nous s'arrache. Oh, ça risque d'être très sympa. Alors, j'espère qu'il va faire nuit, ça peut être très sympa. Et je vous propose eh bien, un bon visionnage de cette attraction. Donc avec les résultats des tests, on a quand même un bel enthousiasme. Parfait, c'est parti. On est bien dans le noir, dans la fumée. Retour en extérieur. Et voilà, ça commence comme ça avec la petite vrille du départ et donc le premier lift. On peut déjà voir ce qui nous attend là-bas. Vous savez, le grand lift qui après se retourne à l'envers pour la descente, le drop. Yes, I'm a coaster fan, so I speak in English. Hein. You know, it's a very professional to be a coaster fan. We need to talk in English. Hein. Et c'est parti! Sensation. Voilà, le airtime, on va décoller là, c'est sûr. Hop là, ça fait du bien. On a ici une bretzel. Je ne sais pas comment on appelle cette figure. On va appeler ça la bretzel. C'est un préfab. Hein. Mais toujours efficace. Et on passe au-dessus de l'allée. On passe, voilà, au-dessus du petit étang. Magnifique. Bon, là on est sur un intérêt très grandissant puisque voilà, on a des vrilles, des figures, des virages, des airtime, des hauts bas, c'est vraiment superbe. Et puis là on a ce petit effet voilà, où on se fait ralentir d'un coup et ce n'est pas fini. Alors j'imagine qu'ici on a une vidéo sur les écrans, très sympa, mais on va se la mettre dans l'œil hein, malheureusement. Je suis désolé, je n'ai pas assuré, je vais pas vous mentir, mais c'est pas grave. On est parti pour une ascension 12 km/h et pour la retournade. Impeccable. Ça décapite, ça décapote, hein, j'en connais ça. Hein. Ah, je crois qu'il aime bien la bretzel. Hein. Un petit côté alsacien qui ressort visiblement. Oh là là, oh là là, oh là. Ça a été fait à la main, ça au moins, tu vois. Ça, voilà. Ça on peut pas l'enlever, ça a été fait à la main. Alors très sympa le fait que voilà, on soit en full vitesse et qu'on se fasse arrêter à la fin comme ça, ça c'est bien. Alors évidemment ça manque certainement de fluidité, mais moi qui suis-je pour juger là-dessus, j'ai extrêmement de mal à faire quelque chose de fluide moi aussi sur Planet Coaster, vous le savez. Mais en tout cas le tracé, le layout je trouve bah, globalement plutôt intéressant, qu'en pensez-vous les amis? C'est vrai que voilà, il s'étale de manière intelligente sur sa zone. Il est ni trop long ni trop court. Et voilà, il a ses petites zones intenses en fait. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Moi j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en commentaire à dire voilà, coaster 1, j'ai aimé, 8 sur 10. Nanana. Bon, donc ce coaster là, évidemment, on va pas le faire. Et on va pouvoir repartir. Donc là, c'était vraiment juste la zone pour le moment, en tout cas écartée avec rien d'autre autour et avec ce très joli étang. Voilà. Donc là, on va pouvoir continuer par ici. Alors on a une ferme avec du foin. Avec, j'imagine, un bâtiment des employés ici. Certainement. Pas du tout, c'est un coaster, j'avais pas vu. Enfin, un coaster, c'est les tacos. C'est les tacos. Et donc, nous avons ici le transfert track, en tout cas la zone, pour eh bien, tout simplement ranger à l'abri les tacos. C'est superbe, c'est bien pensé, c'est magnifique. Voilà, hein, c'est top ça. Donc, nous avons. Alors, attendez. Please pardon our appearance. This area is being refurbished for your future enjoyment. Yeah! Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Donc on va pas le faire, c'est fermé, mais on peut déjà un petit peu apercevoir donc, la file d'attente. Donc voilà, avec des petits parasols, des petits coins d'ombre. Et donc voilà, le tracé des tacos, les enfants sont, j'imagine, ravis. Puisque là, on est vraiment sur quelque chose de très bien thématisé, très rafraîchissant quand même. Hein. Je veux dire, il y a de l'eau partout. Il y a un coaster qui passe juste au-dessus. Le coaster, c'est quoi? C'est le Seven qui est également fermé, j'ai cru voir. Mais c'est pas grave, on le fera quand même. J'en ai rien à péter. Parce que sinon, on va rien faire. Donc, ce serait un petit peu chiant. Donc voilà, ça passe par ici. On passe dans les arbres. On passe toujours en dessous eh bien, du coaster. Peut-être un peu dangereux, en effet. Là, ça peut être sympa de mettre une grille au-dessus.
un grillage pour protéger. Et puis bien sûr là les poteaux, les enlever hein, en tout cas, parce que là sur le tracé c'est un petit peu limite évidemment. Mais voilà, ça continue, ça fait le tour par là. On a les gens qui se promènent sur les allées. On est vraiment, il y a des grands tracteurs. Ça, il y en a qui seront évidemment très contents. Les enfants, ils adorent les tracteurs. Voilà, on est dans le foin, etc. Ça part à gauche, ça part à droite. C'est magnifique, on a une réserve d'eau là. Certainement une automation avec de l'eau qui va certainement couler lorsqu'on va passer là, je pense. C'est pas impossible. Et puis voilà, l'arrivée juste ici. C'est magnifique. Très bien, j'aime bien. Alors, oh, attendez, parce que là également, j'adore, on fait beaucoup de backstage. Mais comme les backstage sont quand même, voilà, regardez, il est allé dans le petit détail quand même, hein, avec une salle ici, voilà. On a un accès escalier là-haut pour arriver sur le toit d'une scène de spectacle. Et là, on a l'arrière de la scène de spectacle, très bien. Et là, c'est un peu le bazar, voilà. Et donc, ouais, on a une scène ici, magnifique. Ça c'est vraiment chouette. Alors encore une fois, est-ce que ça vient du workshop ou est-ce que ça vient de toi? Je ne sais pas, mais c'est toujours sympa d'avoir ajouté ça. Peut-être manque-t-il déjà de place, parce qu'en réalité, si je puis me permettre, il n'y a pas beaucoup de place ici pour les gens. Alors, ça reste un parc d'attractions, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le concert de DJ Snake. Mais je sais pas. Tu peux te mettre là. Là, il y a le. Voilà, je veux dire, à partir de là, tu verras plus rien. Donc, c'est un petit peu dommage. Peut-être un peu plus grand. Et puis, éventuellement, rajouter des bancs là. Juste là, au moins, sur les côtés, là, sur les bords. Ça peut être sympa, rajouter des petits bancs pour les pauvres visiteurs, tout simplement. Voilà, on va mettre la nuit pour voir un petit peu comment ça rend. Ah, c'est top, ça, c'est chouette, ça. C'est la fête. Bon, on peut constater hein, les efforts de lumière hein, sur les coasters. On les voit, hein, il y a des lumières un petit peu partout, de toute façon. Donc, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir fait cet effort là-dessus. Il est grand le parc, hein. Il est grand. Hop, on remet le jour. On va continuer par là. On a des petites fontaines, des petits jets d'eau. C'est cool ça. Et là, on arrive dans une zone Talokan. Talokan Area. Ok. Mais attendez, juste. Parce que là, il y a plein de coasters. Donc ça, ça va être là-bas, d'accord. Mais le coaster qui passe au-dessus des tacos, là. Celui-là, là. Ah, c'est là-bas. Ok, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, c'est plutôt au niveau de l'axe principal du parc. Non mais attendez, je suis perdu, elle est où l'entrée? L'entrée elle est là-bas. Ah oui. Oh, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On va pas s'en sortir. On va rentrer dans la zone Talokan, ce sera pas mal. Donc voilà une petite zone flamme, une zone désert aride, une zone très intéressante. Hop là les backstage ici, j'adore y aller. Voilà, c'est parti, on est dans la chaleur ici bien sûr. Que des zones pour le staff. C'est aberrant, les visiteurs ne peuvent rien faire. On a un coaster qui passe également là. Oh là là, c'est bon ça. C'est bon ça. Voilà l'entrée de la zone Talokan par ici. On a les chaises volantes. Donc là, c'est la sortie. Bon, les portiques de sécurité, en réalité, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Ride close. Ouais, putain, y a rien qui fonctionne dans ce parc. Les portiques de sécurité, c'est pas nécessaire, hein, je pense, hein, pour les entrées d'attractions. Bon, en tout cas, bien thématisé, hein. Très très bien thématisé, hein. Très intéressant. Hein. J'aime beaucoup, hein. Carrément je vois même pas la démarcation du... Ah oui, mais c'est ça. Mais non, on voit même pas la démarcation du... Comment t'as fait ça, salaud? Le sol... Ah, voilà, c'est ça la démarcation du truc. Je me souvenais plus comment ça fonctionnait Planet Coaster. Ah bah bien, t'as bien géré là. T'as très très bien géré, je te le dis. Talokan. Voilà, 15 minutes d'attente pour ce coaster. Voilà la file d'attente. Ok, ça passe par là. On a une sortie de secours bien pensée. Là, on a la file d'attente à rallonge s'il y a besoin de rallonger. Ça, c'est très très bien joué de sa part. Et c'est par ici, on continue. Ouais, c'est gigantesque. Hein. Voilà. Là, là, je pense que la file d'attente, t'es plutôt tranquille, hein, si je puis me permettre. Hein. Oh la vache à la gigine. Là, t'es plutôt tranquille. Alors là, il y a de l'eau, on sait pas d'où elle sort. Et voici la station, bien ça. En plus, moi ce que j'aime c'est quand tu vas dans la station, t'as la vue sur le coaster qui passe juste derrière là, comme ça c'est juste magnifique. On a les rangements ici et on a une transfert track également là. Voilà, très bien réalisé, coulissant pour pouvoir justement amener en station les wagons. Ok, et ben c'est parti, c'est pareil. Il y a qu'un seul train, c'est ça? Non, il y a deux trains. Très bien. Allez, on va tester. Hop, on a toujours le train de derrière, c'est incroyable. Hein. On va mettre les résultats des tests. On se met en première place, hein, c'est toujours sympa.
Et puis on va pouvoir eh bien, directement partir avec, regardez, des résultats des tests très très positifs en termes d'enthousiasme, de peur ainsi que de nausée. Donc ça, ça régale. J'ai envie de vous dire encore une fois bon visionnage et n'hésitez pas à donner votre note en commentaire. On voit d'ailleurs le coaster qui passe, enfin l'autre train du coup qui passe juste à côté. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense que c'est comme un pas un hyper coaster mais voilà, c'est un coaster à vitesse je pense. Très axé sur la vitesse plus que sur les figures, je pense. Je m'y connais pas mais c'est l'impression que ça me donne. En tout cas c'est ce qu'on va voir avec ce lift. Bien haut, bien long, bien grand, comme on l'aime. Ça va nous régaler bien sûr. Exactement, on est quand même sur oui une petite inversion, enfin tu m'as compris. Ok. Oh oui. Oh oui ça va, non je m'attendais à ce que ce soit plus linéaire quand même. Ah c'est fluide par contre. Et un retournement avec de la belle vitesse, 116 km/h, et voilà les petites éjections, enfin les belles éjections si je puis dire, du siège. Une zone de check, c'est comme ça que je les appelle ici, les zones de freinage quoi. Oh c'est bon ça, ça fait des guilis aux zizi ça. Et Idrissa il s'est quand même mais amélioré, ça n'a rien à voir quand même avec son premier parc hein. C'est impressionnant comme ça n'a rien à voir. Gros GG, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi là ça je valide à 100%. On récupère nos affaires bien sûr à gauche et on se casse. La sortie d'ailleurs qui se passe eh bien tout simplement ici. Voilà, hop, une sortie directe. On peut faire les chaises volantes en face, c'est juste impeccable. On a des toilettes ici et on va pouvoir repartir. Ah c'est tout. Ah c'est, alors par contre c'est bien aussi d'avoir des petites zones. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit plus grand. Talokan Area, mais c'est très bien du coup. C'est très très bien. On a quoi là? C'est pour le staff également là. On a une zone pour le staff ici. Ah bah c'est le transfert track bien sûr. Pff, quel con. Ok, très très bien. On va revenir par là. On va revenir par là. Donc là, attendez. Maintenant ce qu'on va faire, on va juste revenir à l'entrée du parc. Sinon on va vraiment se perdre. Voilà. Donc là, on est à l'entrée principale, d'accord? On est allé tout droit avant. On est allé là-bas. On a fait les extrémités gauches. On a encore la droite à faire. Mais d'abord, on va commencer par la gauche. Je ne parle pas de politique, bien évidemment. Avec des bâtiments ici et là. Avec des toilettes là. Très bien. Un restaurant, j'imagine, ici. Bâtiment des employés. Bon, ça aurait pu être un restaurant, de toute façon. Oh non! On a encore un coaster qui est... Ah non! Bah, c'est le fameux coaster qui passe au-dessus des tacos. Donc la zone centrale ici, c'est une zone qui est malheureusement fermée pour le moment, hein, qui n'est pas encore au point. Ok, d'accord. On a une zone ici, je vais continuer par la Mexico Area. Oh lolololololol. Oh regardez comme c'est beau ça. Oh c'est très très beau ça. Très bien fait ça. On a, eh ben messieurs dames, une aire de jeu pour les enfants avec les petits toboggans. J'ai très très hâte de Planet Coaster 2, j'ai très très hâte de ce qu'on va pouvoir faire parce que ce sera pas des toboggans comme ça qu'on va faire messieurs dames. Évidemment on va faire mais des parcs aquatiques mais absolument gigantesques, ça va être la folie. Et j'ai très très hâte également de la vue subjective, pardon, la vue voilà qui va être très immersive. Franchement déjà que j'aime beaucoup la vue justement subjective des visiteurs dans les coasters à l'heure actuelle. Hein. Mais qu'est-ce que ça va être dans le 2? Plus dans les toboggans, dans la flotte, dans l'eau quand tu vas les voir nager. Laisse tomber. J'ai pas les mots. Je t'ai pas appelé toi, hein. Mon téléphone qui commence à s'exciter là. Alors, un restaurant mexicain ici, avec du bon poulet. Oh, c'est bon ça. Bon les amis, j'ai trop le seum, mon logiciel a planté. Voilà, mon logiciel a planté. Alors, heureusement, vous n'avez pas loupé grand chose. On en était là au niveau des toboggans, au moment où le record a planté, au niveau du restaurant ici. Alors ce que je disais c'est que j'espérais vraiment que c'est pas du préfab et que ça a été vraiment fait par lui parce que c'est vraiment chouette. Et voilà, j'avais continué d'explorer par là ce temple asiatique finalement, hein. C'est pas très mexicain, c'est plus asiatique que mexicain. Avec zone pique-nique ici, avec le coaster là que j'avais commencé à faire mais je m'étais rendu compte que le logiciel avait planté. Donc le Revenge of Cheetah. Et ce que je disais aussi, voilà, donc là il y a les petits filets et la thématisation est juste vraiment magnifique, hein. Ici on a un flat ride donc qui s'appelle Air Training, donc avec les avions, et donc on peut avoir la thématisation de la file d'attente avec ici les hélices de l'avion, etc. Enfin vraiment c'est super agréable, super bien fait, et donc je respecte absolument eh ben, ce travail monstre qui a été fait. Donc le Revenge of Cheetah juste ici, donc une file d'attente qui est absolument gigantesque, hein, vous allez le voir. Donc là tu passes tout ça, tac,
T'arrives là, bam, t'es de nouveau devant l'entrée. Ensuite, tu continues ici. Donc là, c'est pareil, c'est absolument gigantesque. Tu passes par là, bam, 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 bam. Mais vous voyez, il y a de la décoration absolument partout. Tac, 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 c'est pas fini. Par ici, hop. Ensuite, t'as encore là, bam, 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 bim, bam, boum, t'as compris. Et tu rentres enfin à la station. Donc vraiment un grand potentiel en termes de... en termes de clients, enfin en termes de visiteurs. Donc je vais recommencer le test, vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Hop, on prend le train numéro 1 et c'est parti, bon visionnage. Ça prévoit du lourd bien sûr avec cette propulsion qui nous entame directement sur cette retournée. Peut-être un manque... Ah oui, oh là 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 là, ah là là, c'est violent, manque d'inclinaison quand même. Mais voilà, on a les petites zones. Deux freinages, une nouvelle propulsion, un avion à gauche. Ah oui, j'avais pas vu que ça partait là-bas. Ok. Bon là on pourra le dire, bon ça a été fait à la main. Ça a été fait à la main. Le looping. Ça secoue un peu en effet. Et on arrive. Bon par contre au niveau... Le layout est intéressant. Il faut le dire. Le layout est intéressant. On peut souligner. Regardez-moi ça. Pour le transfert track c'est magnifique. Le layout est intéressant. Donc manque de la fluidité. Comme je l'ai dit. Voilà moi je suis pas... C'est compliqué. Hein. J'ai vraiment du mal à faire quelque chose également de fluide. Mais le layout est intéressant. Je pensais pas que ça partait là-bas en vrai. Je m'attendais pas à ce que ça parte là-bas. Ah bah du coup tu vois... On peut le voir au niveau de la route ce coaster, donc ça c'est toujours sympa. C'est toujours ça de prix. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? On a toute une zone décorée là. On a toute une zone décorée mais qui est inexploitable, enfin qui est inexploitée. Ah c'est dommage parce que en fait c'est dans ce coaster là qu'on peut voir cette zone, mais en vrai j'ai même pas fait attention. Tellement ça va vite, tu vois dans le coaster t'as pas le temps de voir les décors. Ah c'est dommage. Parce que là y a de la déco de partout. Des pierres tout au long. Il a abandonné là. Il a abandonné. C'est dommage. Il y a juste là en effet. Durant le voilà où tu peux le voir. T'as même l'appareil photo ici. Mais ouais, c'est dommage. Ce serait une petite zone exploitable. Ok, donc voilà, ça c'était pour cette attraction. La sortie, ça se passe ici. Non, ça c'est l'entrée. La sortie se passe là. Hop, voilà. On a une petite boutique souvenir avec, j'imagine. Donc voilà, les photos. D'accord. Et les toilettes ici, pas du tout, c'est l'accès PMR, voilà, avec l'ascenseur pour arriver, voilà, sans passer par les escaliers. Et c'est très très bien pensé, merci à toi pour l'accès PMR, ça régale. On continue encore par ici, bah non, puisqu'on arrive sur la Talocan Area, donc on était déjà là, d'accord. Et la zone mexicaine, donc avec, c'est bien, chaque zone, t'as vu, il y a un flat ride, un coaster. Globalement, pour le moment, c'est ça, le flat ride, le coaster. Donc là, maintenant, on va pouvoir... aller dans la zone un peu plus principale ici. Un peu plus bleutée, un petit peu plus féerique peut-être, je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être féerique en tout cas. Donc voilà, comme on était juste ici. Voilà, tu peux le voir. Voilà, on rentre par là également. C'est très grand, très aéré. Une boutique ici. Un escalier là. Est-ce qu'on a le droit de monter là? Je ne sais pas. C'est peut-être certainement uniquement décoratif. Pearl, donc l'attraction est ici. Alors l'attraction est fermée je crois, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Regardez-moi cette file d'attente avec les petits jets d'eau, c'est toujours sympa. Voilà, on voit le coaster qui passe ici, c'est magnifique. Le coaster nous passe même carrément dessus, donc c'est impeccable. Oh là là, là t'entends les vibrations quand le coaster passe au-dessus, c'est juste magnifique. Des lampadaires ici et là, voilà, les efforts thématisation et lumière sont au rendez-vous. La file d'attente est longue comme il faut, on a la sortie de secours ici. Ne pas perdre des articles à partir d'ici, d'accord. C'est-à-dire que si tu perdais ton téléphone avant, c'est pas grave. Mais là, c'est un peu plus chiant, quoi. Très bien. Et on est dans un truc un peu mythologique, j'ai envie de dire. Oh, les petits tableaux, là, magnifique. Magnifique. Et on arrive à la station du Pearl. Et quand on sortira par là, eh bien, nous aurons l'accès à la boutique souvenir, magasin. Voilà, avec les photos également. Donc, il y a une zone photo, à mon avis, durant le layout. Et là, on a un accès pour le staff. Ok, pourquoi pas. On a un petit Fenwick qui traîne ici, pourquoi pas.
Ok, allez, c'est parti, on perd pas de temps, on va tester le Pearl qui a également des résultats de test absolument impressionnants. Et ça, ça régale. Hop, c'est parti messieurs, dames. N'oubliez pas le pouce bleu évidemment si jusqu'ici vous kiffez cette vidéo. Et j'aime bien les débuts comme ça où on a la petite inclinaison sur la droite pendant le virage à gauche. C'est très sympathique. Et on est parti pour le lift à 8 km/h. J'ai pas vu la hauteur du coaster, mais ça régale. Voilà, voilà. Une tour infernale là-bas, comme je peux le constater. Un coaster également bleu là-bas. Un coaster inversé, visiblement. Très bien. Allez, on arrive au niveau du top. Un petit coup d'accéléré quand même, on va se le permettre. Et puis, c'est parti pour la descente aux enfers, tout simplement. Oh, il est grand. Oh, c'est un giga coaster, ça. Impeccable. C'est quand même très très brutal. Ah, on avait la photo ici, je crois. Ah, c'est très brutal hein, parce que en vrai de vrai, t'as vu, on se prend du 5 à 7G en vertical. Alors en latéral ça va, même si ça reste assez violent, mais en vertical, voilà, on se tape quand même jusqu'à 7G, j'ai vu là. Ouais, ouais, mais c'est super violent là. Oh. Ah oui, là c'est là tu veux tuer tes visiteurs. Wow. Alors je m'attendais vraiment à ce qu'il rentre dans le wagon de devant, ça m'aurait même pas étonné. Alors c'est très violent, beaucoup trop rapide hein. Objectivement, enfin subjectivement pardon, je veux dire, de mon point de vue. Mais je pense que le résultat sera unanime. Moi qui en chie, quand je faisais mes coasters, j'en chiais pour avoir de la vitesse, parce que j'arrive pas à garder de la vitesse pour faire un truc intéressant. Là il y a trop de vitesse, c'est tout l'inverse. Enfin, je trouve, hein, par rapport aux figures proposées, il y a beaucoup trop de vitesse. Pegasus, SNCF. Qu'est-ce que ce truc encore? On a une autre file d'attente juste à côté, c'est excellent. Ok, un autre coaster ici. Départ. Oh, mais c'est excellent, c'est une station SNCF, vraiment. Mais c'est incroyable. C'est sponsorisé par... c'est incroyable. Hop, on arrive là, bam bam boum. Ah, oh, c'est tout bleuté. Relation client, mais c'est excellent ça. C'est excellent. La sortie, c'est ici. Mais c'est trop bien fait. Mais c'est trop bien fait, regardez-moi ça. Donc là, on a l'entrée et puis la sortie. Tu passes au-dessus. Alors par contre, c'est vraiment super bien fait ça. Ça, c'est ce qui fait le charme d'un parc Planet Coaster, je vais vous le dire très honnêtement. Alors on a les boutiques souvenirs, on a les casiers également. Alors par contre, faut le savoir les casiers. Hein. Faut aller d'abord à la sortie, garde dôme. Excellent. Faut aller à la sortie pour mettre en sécurité dans les casiers les affaires. Mais par contre, ça, c'est con. Hein. Mais ça, c'est ce qui fait le charme d'un parc. Hein. Parce qu'en vrai, c'est rien d'incroyable. Hein. Si t'enlèves le tout, c'est juste une allée. C'est juste une allée qui passe au-dessus. Rien de bien incroyable. Mais là, comme ça, en l'état, ça rend le truc absolument mais merveilleux. Bravo à toi. Allez, c'est parti pour le test. Alors, on va aller dans le train numéro 2. Tant pis, on n'aura pas les résultats, mais c'est pas grave. Ok. Ah oui, ça commence direct. C'est bon, ça. Avec des petites vagues. Ça suffit pour faire le plaisir. Allez, on va également se permettre d'accélérer quand même la montée. Et on va passer sous le précédent coaster qu'on a pu faire. C'est parti. Ça décolle. Bon là, les inclinaisons sont bien meilleures. Mais eh, c'est fini, c'est le... Ah là c'est SNCF, c'est pas SNCF hein. C'est beaucoup trop rapide pour que ce soit SNCF hein, si je puis me permettre. Mais enfin, avec tout le respect que je vous dois messieurs. Non, je rigole évidemment. Mais ce que je veux dire c'est que 10% des trains sont en retard. C'est pas énorme hein. Non, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais la statistique est tombée là récemment. Très intéressant. Très rapide SNCF. Mais très intéressant. Mais ça manque d'égalisation, mais c'est trop facile à dire quand tu essayes. Parce que quand tu crées le coaster, tu sais que c'est trop compliqué. Moi je le sais. Mais voilà, ça manque d'égalisation, mais c'est très difficile à faire. Je le sais très bien. Mais en tout cas, très sympathique. Des petites fontaines ici, bien sûr. On a Cladis. Putain, mais décidément, encore du bleu. Encore un coaster bleu. Ah non, ça c'est la tour infernale, le Cladis.
Le Gladys, pardon. Et puis là, c'est quoi ça? Gladys Tribute. Ah, ça c'est un... C'est de la décoration. C'est ni plus ni moins que de la décoration. On a une petite zone de restauration ici. C'est impeccable, c'est magnifique. Oh là là, une petite... Oh, c'est mignon. Alors là, tu te mets là-haut avec ta copine. Tu te mets, y a un bain. Ah là, tu te mets, y a un bain. Bon, après, c'est sûr que si tu te mets là... C'est sûr que personne te fait chier, mais il n'y a pas énormément de choses à voir. Mais c'est un petit coin isolé sympa, ça fait toujours du bien. Très 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 sympa ça. Voilà, c'était cette fameuse zone. J'espère sincèrement, n'hésite pas à être honnête en commentaire. Est-ce que voilà, tu as fait une majorité des choses à la main ou est-ce qu'il y a beaucoup de préfab ou pas? Et enfin, donc là on est sur l'allée principale, on va pouvoir aller sur la zone droite, la zone égyptienne. Là on est sur une belle structure quand même. Là on est sur une structure... chapeau bas, hein, avec donc des coasters inversés, des grillages. C'est magnifique ça. C'est magnifique, regardez-moi ça. Oh, on a ici le Montu. As-tu déjà vu Montu? Montu. Allez, on passe par ici, bien sûr. Des poubelles. Voilà, c'est sympa ici, des poubelles. Il n'y en a pas partout, mais là il y en a. Hop, on passe par-dessus les rambardes, on n'a rien à péter. Putain, mais c'est super grand. Mais les files d'attente, merci d'avoir fait des. C'est vraiment mais super quali quoi. Là tu montes, tu descends, c'est magnifique. Et t'arrives à la station. Incroyable, c'est parti pour le Montu. Coaster inversé messieurs dames. Ça régale. Bam, bam. On se met aux premières loges et on se régale évidemment. On est à ras du sol. Les pieds suspendus. Et ça également c'est le genre de coaster qui sont très compliqués à faire hein. Je trouve hein, les coasters suspendus comme ça c'est pas évident. De faire quelque chose d'intéressant où on ressent bien les sensations, que c'est réaliste, etc. Donc voilà, ça va nous permettre de bien juger. Et on s'est parti hein. Oui, déjà avec une bonne descente sur la gauche. On passe au-dessus de la flotte. Première inversion qui régale. On passe dans la flotte, enfin au-dessus de la flotte. Nouvelle inversion. Ouais, mais en fait moi je kiffe maintenant, je suis devenu un fan hein, des coasters inversés comme ça où t'as les jambes suspendues en l'air. C'est tellement bon putain, tu voles quoi. Et du coup là je kiffe ce qui se passe là. Je ressens mes jambes voler quoi. Oh là, par contre ça c'était violent non, j'ai pas fait gaffe, j'ai cligné les yeux, ça m'a fait bizarre là. Je pense que j'ai cligné les yeux, j'aurais pas dû mais là ça manque d'inclinaison là. Ouais non là y a pas d'inclinaison même. Il aurait fallu plus d'inclinaison comme là dans les virages là. Très honnêtement ouais. Ah bah ça aurait été presque perfect. Oh t'arrives fort là. T'arrives fort mon gars. T'arrives fort. Non là par contre vraiment ça c'est pas bon là. Là vraiment il faut une inclinaison beaucoup plus importante hein. Même une inclinaison à 90. Tu vois ce que je veux dire. Enfin comment. Tu m'as compris, une full inclinaison quoi. Ça ouais je pense. Mais sinon très très cool. Très très cool. Paf paf paf, là t'arrives au niveau du Osiris. Alors est-ce que, moi je connais pas le Osiris hein, dans la vraie vie hein. Alors est-ce que c'est le vrai Osiris ou pas? Là je ne saurais pas vous dire, il y aura que vous qui pourrez me le dire. On a un flat ride ici également. Voilà, j'en profite aussi pour placer les petites infos. Et d'ailleurs c'est tout simplement ça, le Osiris, voilà. Non moi ce que je voulais faire c'était ça, le Montu. Ah mais le Montu on vient de le faire, ah mais d'accord. Ouais d'accord, donc le Osiris c'est ça, je suis con. Ah oui mais il s'étale sur tout le machin le coaster, j'avais même pas fait gaffe, je suis nul. C'est magnifique. On a ici à boire, à manger. Très bien. On a donc la zone backstage, on y était déjà tout à l'heure. Voilà, on a une vue sur la station du coaster qu'on vient de réaliser. On a ici le numéro bis. Besoin urgent de pierre, appelé numéro bis. Ok. Oh, ça, c'est un peu coaster mine, ça. C'est un peu coaster des mines. L'entrée, bam, par ici. Une file d'attente toute mignonne avec une vue sur le coaster qui passe. Et hop. Oh, c'est mignon. C'est coaster familial, c'est coaster enfant. Ça régale. Alors, on va se permettre de se mettre dans le siège. Tout derrière. Parce que ça, c'est super mignon. Voilà. On se met derrière. C'est la chenille qui redémarre. Petit accéléré, ouais, regardez le lift, il est tout petit, tout mignon. C'est absolument adorable.
Évidemment les résultats des tests sont moins impressionnants, mais voilà, c'est un kiddie coaster finalement. Oh waouh, un kiddie coaster à 70 km/h presque quand même. C'est bon ça. Voilà, des petites inclinaisons, des petits virages et des petits airtime, des au bas, c'est bon ça. Oui. Alors, sur Planet Coaster, si tu trouves que le coaster est fluide en étant derrière, c'est que t'as réussi le coaster, je te le dis. Voilà, ça c'est un beau kiddie coaster. Un deuxième tour? Non, il aurait peut-être fallu faire un deuxième tour, si je puis me permettre. Hop, hop, hop. Et voilà, 3 tours. Bon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. 2 ou 3 tours. C'est magnifique, c'est un petit kiddie coaster, je kiffe, vraiment bien réussi. Comme dit, derrière, c'est fluide. Donc si c'est fluide derrière, moi je dis que c'est super. Moi je dis que c'est super. Ici on a une petite zone pour les visiteurs, comme ça ils peuvent voir le coaster montu qui passe. Très très bien ça. Et puis welcome to Avalon. Alors Avalon quoi, je ne sais pas, moi j'aurais bien une suggestion. Donc c'est fermé, on ne peut pas encore y aller, la zone n'est pas terminée. Donc une zone peut-être un peu plus féerique, qui sait, avec les châteaux, avec la tour ici. Donc vraiment top. Et au final on a fait le tour du parc qui est grand, qui s'étale, mais cette fois qui n'est pas vide comme le premier, avec des grandes allées qui menaient à pas grand chose. Là franchement, gros chapeau, gros respect pour ce que t'as fait. Franchement c'est magnifique. Bon, comme dit, juste ici où c'est un petit peu vide, mais peut-être qu'il y aura une suite ici, j'imagine. Peut-être même des coasters aquatiques ou pas. Mais franchement chapeau. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci beaucoup pour ton travail, merci de me l'avoir envoyé. Ça fait du bien, ça change. Et franchement c'est vraiment bien réalisé, je trouve. Et voilà, je vous laisse en toute bienveillance dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas le like, c'était Mkolo. On se retrouve très vite, ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.